Donc mais voilà, donc non, après ça, bah voilà, après vous vous retrouvez, vous n'avez plus votre nom, donc vous ne pouvez plus bosser d'une certaine façon. Bah, je ne peux plus exercer mon métier, non. C'est insensé, ça, quand même. Mais comment vous faites? Vous travaillez de façon occulte, alors, non? Ouais, parfois. Et puis, je suis consultant avec, par exemple, des présentateurs télé, je dis, tu mets veste noire, Non, c'est pas vrai. Sérieusement, Inès, toute votre vie, vous ne pourrez plus jamais utiliser votre nom. Pour, bah, ça dépend dans quelle catégorie. Les produits pharmaceutiques, par exemple, je peux. Voilà. C'est ce que mon avocat a expliqué au prud'homme. C'est pour ça que vous êtes retournée sur les podiums pour défiler? Parce que finalement, ça, c'est... Non, parce que comme j'essaie d'expliquer dans ce livre, on ne choisit pas d'être mannequin, on le devient parce que les gens vous demandent de l'être. Mmh. On ne peut pas avoir une vocation.